aujourd'hui, c'est la régionalisation dans la culture. Que pensez-vous de ces thématiques? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut dire de la régionalisation en termes culture? Ben écoutez, d'abord, aujourd'hui, dans la politique qui a été initiée par Sa Majesté le Roi, la région joue un rôle déterminant avec une autonomie. Et en même temps, la présence de la culture est essentielle, car on se rend compte aujourd'hui combien la culture est essentielle dans toute, même dans les négociations internationales. Et il est nécessaire que dans chaque région soit dotée de complexes culturels, des musées, des espaces culturels pour permettre aux jeunes de plus à la fois intégrer leur histoire et s'ouvrir sur ceux des autres. Vous savez, je me rappelle toujours cette parabole de la Bible qui dit « Connais-toi d'abord avant de connaître les autres ». Donc si on connaît notre histoire, on peut aussi connaître l'histoire des autres. Et c'est pour ça qu'il est essentiel de d'abord connaître son propre patrimoine, découvrir sa propre histoire, découvrir aussi que cette histoire s'est nourrie aussi de plusieurs confluents. Et que c'est ces confluents qui nous permettent d'être aujourd'hui ou d'avoir cette exception essentielle qui est le Maroc. Le Maroc, pour moi qui ai vécu 37 ans en France, a une particularité. C'est que cette particularité est tout à fait soulignée dans le premier article de la Constitution. Et pour moi, c'est le seul pays qui dispose d'une constitution moderne, qui reconnaît aux minorités religieuses leur à fois contribution et aussi leur appartenance au pays. Il faut d'abord que les responsables régionaux puissent être eux-mêmes sensibilisés à ce que j'appelle la question culturelle et qu'ils sachent combien aujourd'hui que la culture est un point déterminant. C'est pour cela qu'on ne rendra jamais assez hommage à Sa Majesté le Roi d'avoir donné la place qu'elle doit avoir la culture. Et ça, c'est essentiel. Donc il faut vraiment que les responsables, à la fois, je dirais, politiques, les responsables régionaux, puissent prendre conscience de ça.